Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. Ouverture d'une nouvelle semaine de vlog. Vas-y, tu peux le placer. Non, trop tard. Tu diras demain alors. Maintenant je boude. Nous avons quelqu'un qui boude sur le lit. Moi. En plus comme ça tu fais punie. Je suis punie, c'est ce que j'allais dire en fait, je suis punie. Donc comme vous pouvez le voir, cette semaine, Yen ne jouait pas seul. Non mais je m'en fous, tu m'as punie, tu m'as pas voulu. Elle voulait commencer par nouvelle journée. Ah ouais. Dit, mais non, ça c'est mardi. Bah non, c'est une nouvelle journée d'un nouveau vlog. Hein, c'est vrai les gens. Non, le lundi c'est coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et après tout le long de la semaine, c'est une nouvelle journée. Bon, la majorette is here. Elle est arrivée hier au matin. Et on en a eu des choses à se raconter, je vous raconte même pas. Ah, je sais tout. Elle sait tout, elle sait tout. Je sais même des trucs que vous savez pas. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Tiens, on va lui donner cette semaine la boîte de trucs de femme. Vous avez pas vu, je la filmais par elle quand elle a fait ça. Elle a fait Rex le chien. C'est ça, mais on dirait une boîte à croquettes ton truc, j'y peux rien. Mais on va lui donner, c'est genre... Tiens, cadeau. Je tire au pif. Oui, tu tires au pif. Vous savez, c'est la phrase qu'on lit toutes les semaines. Et que vous voyez pas, c'est une boîte avec des rouleaux de papier. Si, si, j'avais montré en... Des papiers russes. Enfin, français, mais russes. Et on va savoir un truc sur la femme. Et je dis comme cette semaine, Marjo et Izehir, et bah du coup, ce sera son... Bon, déjà, la meuf est pas douée. Jacqueline, tu peux revenir, j'en ai foutu. C'est quoi derrière qui a écrit? À méditer. À méditer. Okay. Ah bah, ça me va bien, ça, tiens. Vas-y. Non mais c'est tout, rien que les deux premiers mots, c'est normal. Soyez irréprochables. Oui. Avec les femmes, pardon. Elles représentent la moitié de la population et sont les mères de l'autre moitié. Bah, c'est philosophique. C'est vrai. C'est pas con. On est pas mère, nous. Oui, mais on est quand même la moitié. Je suis pas une moitié, je suis entière. T'es une moitié de la Terre. Dis que je suis grosse. Oh bah alors, si toi t'es moitié de la Terre, moi je suis la Terre. L'univers. L'univers. La voie lactée. Tout ce qu'il y a autour, voilà. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Bon, bah voilà. Bon. Donc soyez irréprochables avec les femmes. Sinon, attention. Ah, j'ai une tache là. Piscine. C'est parce que quand comme elle est en vacances, vu que c'est les vacances scolaires, et bah du coup, ça lui manque. Je m'auto-fatigue. Donc, je compatis. Donc, bah, nouvelle semaine, comme je viens de vous dire. La majorette est là pour quelques jours. Bah, on part demain, du coup. Ouais, en fait. Quelques jours. Et là, du coup, aujourd'hui, à chaque fois je dis du coup, ça me saoule. Aujourd'hui, on va à plaisir, on va faire des en magasins. En conséquence, on s'en. Au lieu de surcroît. Non. Non, ça va pas. Non, ça va pas. En conséquence. On va à plaisir, on va faire les magasins, donc on va vous amener avec nous. Tu dois filmer ton cou là, à peu oui. près. Oui, oui, c'est pour montrer mon rouge à lèvres. Ah, d'accord. J'étais juste ça. Non, mais en fait, les gens, elle a mal au bras, son truc, il est énorme. Elle le porte à bout de bras. Mais grave. Elle a. Vous savez, ça fait comme Hercule dans Astérix. Elle a un bras plus développé que l'autre. Non, parce que des fois, je change, regarde. Voilà. Voilà. Ah non mais il faut hein, parce que... Il est énorme là. Il est hyper lourd. Ah, regarde, j'ai encore abusé le blush hein. Ouais. C'est pas grave, je vais mettre un masque. Enfin bref, on va vous amener avec nous et on y va. On y va? Allez. Pipi et on y va. Non alors vous venez pas avec nous faire pipi? Non, jamais. Bah déjà nous on y va pas ensemble. Non, enfin on vous dira pas tout. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. I don't wanna let myself down.
y a Marjo qui vient de trouver la nouvelle Jacqueline. On est sérieux les gars? Ça se fait tout seul. Là c'est Jacqueline version 2.0 t'as dit. Ah voilà. Elle marche plus vite que nous. Je te jure. Est-ce que Jacqueline a la direction assistée? Elle est trop bien Jacqueline. Non, mais... non. On enlève les clés. Est-ce que Jacqueline va éviter la palette? Eh, Jacqueline va tout droit. Et ce qu'elle vous a pas dit, c'est que dans son verre, il y a du whisky. Maman, on est chez Via Piano. Parce qu'il n'y avait pas El Paradiso de Croto. On sera sur le... Alors, quand ça, c'est pas piano, bah, vas-y tranquille. Vas-y tranquillou. Non, en fait, c'est un magasin. Enfin, c'est un magasin. On achète des chaussettes. On achète des chaussettes. Bah, tu peux acheter des chaussettes. En fait, je vous avais déjà montré. Faire des marchages. Vous pouvez. En fait, c'est un libre service. Vous voyez, ils sont en train de faire les plats au fur et à mesure. Et vous choisissez votre type de pâte. Toi, t'as pris des lasagnes. Donc, moi, j'ai pris des pâtes, forcément, au champ pipi. Il y a de la viande. Ah bah, pose pas là. Et en fait, bon, là on attend que notre truc vibre. On va y aller. Pour aller chercher nos plats. Et en fait, ils font tout. Vous avez des pastas, risotto, lasagne, pizza, antipasti, insalata. Je sais pas ce que c'est. C'est des salades. D'accord. Et voilà. Donc nous on a pris. C'est italien, mais je commence à comprendre. Et donc là on est au grand plaisir. On a été du coup chez Lévis et tout ça. C'était. C'est petit. Enfin, en fait, on a été dans les magasins qui étaient petits, genre plus Mickey, Lévis et tout. Donc, filmer là-dedans, c'est pas la peine. Marjo, elle a acheté des trucs chez Lévis. De toute façon, on va vous faire un haul en rentrant. Et on a chez Kusmiti, pareil. J'avais dit que j'achèterais pas. Même chez Lévis, j'avais dit que j'achèterais pas. Ouais, mais c'est de la faute de la dame. Chez Kusmiti, elle nous a fait sentir le truc. Ça sent trop. Bah, on vous fera sentir. Bah, non, vous ne pas. On vous décrira les odeurs. Voilà. Donc, par exemple, c'est pas gagné. Bon, on vous dit bon app. On vous retrouve tout à l'heure, puisqu'on doit aller chez Primark. Il y a un truc en A et en I et des trucs pas français. Bah, tranquille. Nous avons une majorette qui a été récupérer son plat. Alors, bravo. Petite lasagne et moi, petite pâte au champ pipi. Il y a plein de trucs. Qui est où le pain? Non, mais. T'arrêtes, hein. Faut enlever ton masque, Marjo, pour manger, c'est mieux. Allez, bonne app. Attends. Après les pâtes, le Starbucks. Alors, par contre, Marjo, le test en live, le matcha. Ouais. On a eu un gros... Bon, moi, je suis pas tentée. Moi, c'est le café spécial, et basta. T'aimes pas? Je vais aller chercher du sucre. Ah ouais? J'en reviens. Bon, moi par contre, valeur sûre, restez chez A. What to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down
Eh, elle fait la meuf concentrée. Je fais genre j'ai des amis. Comme le concentré de tomate. En combien de mots? Hein? Concentré en combien de mots? Deux. Bah merci. Je sais pas, j'ai dit au hasard. Concentré. Concentré. En deux mots. Oui. Bah bravo. Moi j'en ai marre, hein. Je suis punie. Vous avez vu les gens? Je suis reclue, tout ça, je suis punie. Maman. Tu vas bientôt la refroidir. J'ai cru que t'allais dire tu vas bientôt mourir. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Maman. On vient de finir. Elle est fatiguée. Rincer claquette au sel. Au claquette. Ouais, je confirme, au sel, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a? Ah bah c'est bien, sur mes trous de nez, ça va être magnifique. Elle est fatiguée, elle en a marre. Ouais, j'en peux plus. Bon, faut dire qu'elle a conduit toute la journée. Non, mais non, bah non, on a été juste à plaisir, si. C'est tout. Hein. Bah oui, mais bon, ouais. Ça m'a fait bien plaisir. Et la relou. Tout le plaisir était pour moi. Et ouais. On en est là, c'est-à-dire qu'on est tellement crevé que... Non, parce qu'on joue ça toute la journée. Oui, bah oui, mais parce qu'on a un humour de... Tu mettras un bip. Voilà. C'est... Ouais, franchement. Comment vous dire? Ouais, alors on vient de tourner la vidéo, là, de nos achats. Je vais mettre 3 heures à la monter. Bah, je vais pas la monter ce soir. Elle veut pas faire des ratés. Mais non, parce qu'elle raconte que des conneries. Bah, c'est tout l'intérêt. Oh non, je lui dis, hey, si tu veux faire des ratés, je t'envoie les rushs, tu fais le montage chez Watt. Ah, mais si tu veux. Ah, mais moi je suis chiche. Là, du coup, je devrais faire des vidéos parallèles quand je vois les filles. Je te jure, en plus, t'as une. Tu sais, genre, mais ouais, mais tu sais, faire les vidéos, mais l'envers du décor, tout ce que vous voyez pas. Parce que Marjo, elle en a des choses à. Elle pourrait faire un livre. Ah bah déjà rien que je pense que je pourrais faire un bouquin avec 3 chapitres sur les insultes utilisées en voiture par cette demoiselle. Tout le monde y passe. La grand-mère. Pas la grand-mère. La grand-mère des autres. Non, les morts, mais pas la grand-mère. Oh. Bon, j'allais dire un truc horrible, donc non, je m'auto-censure. Non, parce que j'ai pas envie que tu. Anna, que tu parles comme moi. Mais tu as j'ai plus mes mots. Comment dire? Il y a une liste de gros mots, les gars. Non, t'as une liste de gros mots, j'en utilise pas autant. Moi, ça se limite à abruti, bouge ta carette, c'est en option les clignotants. Là, elle fait des trucs avec les cadavres. Ah, imaginez-moi. C'est en option les clignotants. Mais tu vas la bouger ta carette, espèce de. Je suis pas crédible si je dis des trucs comme ça. Mais que moi, voilà. Oui, mais toi, c'est normal, des formations professionnelles. Ah non? Moi, ma mère, elle m'a dit, hein. Ah, maman, si tu passes par là, elle m'a dit, je ne sais pas qui t'a appris à parler comme ça. Mais c'est vrai. Ah, je suis sûre, c'est pas ta mère, ta mère, bah, elle est bonne. C'est sûr, c'est pas ma mère. Ma mère qui me dit, ton grand-père, il se retournerait dans sa tombe. Est-ce que vos parents, ils vous disent ça, vous aussi? Non. Ah ouais? Non, mais non. Des fois, quand je fais des trucs de. Oh là, non. Là. Tes grands-parents, ils se retourneraient dans leur tombe. Oh là. Ah bah oui, mais t'imagines, au bout d'un moment, il y a. Oui, mais bah, bon. Bah si, parce qu'au bout d'un moment, t'es tout. Mais non, mais tu sais, il y a comme ça, puis il y a comme ça. Tu vois le. Attends, comme ça? L'autre, elle essaye de faire du breakdance. À cette heure-ci, t'as raison de se tourner. De tombe. Ah, d'ailleurs, c'est l'heure de Buffy contre les vampires. Ah, bah on va les mater Angel. Parce que moi, c'est Angel. Toi, c'est Spike. C'est la dernière saison où elle est dans Buffy, là. Bah, moi, je suis Team Spike. Parce moi, que je suis Team Angel. Spike, on l'a vu dans plus de saisons. Ah non, peut-être pas. Ah si? Moi j'avais un problème avec ses cheveux. Ah oui, non, par contre. C'est quoi cette couleur? Est-ce qu'on peut en parler? L'autre il a un espèce de un truc décoloré. Oh, ouais, bon, ok, j'ai rien dit. Mais en fait, physiquement, Angel est beaucoup plus beau, on est d'accord. Mais Spike, je sais pas, je saurais pas t'expliquer. D'ailleurs, monsieur David. J'allais l'appeler par un surnom. Voilà. David Boreanaz. Ouais, non, moi c'était Morvonaz, je savais pas le dire. Angel, Angel. Bonjour. Angel, parce que dans la non, la dédicace à Jason Momoa. Coucou, Jason. Apparemment, tu vas divorcer. I'm free. Voilà. Whenever you want. Voilà. Sinon, oui, parce que vous ne la voyez pas chanter. Je chante pas en voiture. Non. Adèle, si tu nous as entendu, que t'as eu les oreilles qui ont sifflé, c'est normal.
Non, et attends, t'as chanté toi aussi? Bien sûr, en yaourt. Bah, attends. Comme tout le monde. Et on a le droit de chanter en voiture. On a le droit de chanter partout. Pas la nuit, pour pas déranger ses voisins, mais en voiture, on a le droit de chanter. Pour faire passer le temps plus. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, le gars dans la voiture d'à côté, il a bien ri. Ah bah écoute, tu peux rire, tu le reverras peut-être plus jamais dans ta vie. Je range en même temps, les gars. D'ailleurs, il m'a demandé ce que je chantais à l'époque, c'était les Rasmus. Ah mais moi, je le fais pas trop parce qu'après tu vas être... voilà. Mais In the Shadows, et je beuglais ça à tue-tête dans ma voiture, et le gars, il m'a regardé, il me fait... Et c'était sa période où elle était émo. Bah je pense que j'ai... Ouais, mais je dois toujours avoir cette période parce que je peux écouter ça. Mais t'écoutes de tout, toi, tu t'en fous. À part le rap, quoi. Bah non, Eminem, j'écoute. Oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est, bah, ça fait partie de la culture générale. Oui, mais c'est du rap. Oui, mais genre, tu vas pas écouter du Gims ou du Attic ou du je sais pas quoi. Non. Vas-y, c'est Attic. Bon, il y en a une que j'écouterai encore moins, c'est celle avec laquelle j'ai besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qu'elle raconte. Qui ça? Aya. Oulala. Son nom, c'est compliqué à dire. Ayana. Non, c'est pas très compliqué à dire. Aya Nakamura. Moi, je comprends pas ce qu'elle chante. Ah, moi non plus. Rythmiquement, j'aime bien. Ah oui, mais parce que alors les paroles, moi je... j'aime bien chanter, j'aime bien comprendre ce que je chante. Fallait bien mettre une bonne musique derrière pour pouvoir passer le truc, le yaourt, tu vois. Le seul yaourt que je tolère, c'est en anglais, hein. Ed Sheeran, je peux yaourter le truc. Non, elle est bilingue, donc... Ouais, mais pas exprès. C'est pour te mettre à mon niveau. Moi, je peux yaourter Ed Sheeran sans problème. Ouais, mais moi, quand j'ai yaourt, c'est vraiment des sons... Ah oui, 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 bah oui, bah non, mais c'est... Ouah, ouah, ouah. Amina, Menyaman, et là on va démonétiser, mais c'est pas grave. Non. Non mais ouais. Ils vont pas reconnaître. C'est ça. Vous cherchez. Non mais. YouTube. 10 points celui qui trouve le. Non mais le titre. Mais YouTube va pas reconnaître. Ah tu crois on chante tellement faux? Je te l'ai moi donc. Elle vient de dire que chanter faux. Alors je suis concernée. Je suis concernée aussi. Je chante faux. Concentrée, on a dit tout à l'heure. Ah ouais, c'était concentré. Oh là là, les gars, c'est fou. J'en peux plus. Oh. Oh. J'ai dit plus, j'ai pas dit pute. Bah, tiens, bah voilà, c'est fait. Sorry, mommy. Elle va être contente, ta mère. Ça, c'est bon, ça, en fait. Hein. Ouais. Faut regarder le hall pour savoir ce que je bois. Je l'ai dit que je bois. Que je bois. On s'est même plus conjugué. Cherchez pas et... Pour preuve, parce que je pense que vous n'allez pas nous croire. Non, mais moi, je suis pas maîtresse d'école. Hein. Moi non plus. Ah bon? Il est 18h19. Attends, tu vois ce que ma mère, elle me raconte. Il est 18h19, les gars. On n'a rien bu. Mais on aurait peut-être dû. Oh non. Bah, on serait peut-être moins starbés. J'allais dire, tu sais quoi? J'allais dire, si on boit, on va se coucher tôt, on va être... Bah, comme hier. On était couché tôt hier, à 9h, quand même tôt. Oh, non, mais... Et par contre, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde, on dirait que j'ai de l'allergie, j'ai du rouge partout. Ouais, vas-y, tu me regardes comme ça, j'ai peur. Bah, non, mais parce que je regardais, je m'inquiétais pour toi. Non, bah, genre, t'es... Mais comment ça? Qu'est-ce que t'as, mais du je rouge sais partout? Pas, j'ai du rouge partout. Bah, t'es là, sur ton image. Ah non, mais cherche pas, là-dessus, ça te fait toujours des trucs rouges. Tu te rappelles pas? Enfin, tu te rappelles pas. Tu vois pas dans mes vlogs, chaque fois, je dis, j'ai des taches rouges. Ah, bah, je suis rouge. Hein? Avec le son, c'est pas mal. Attendez, je m'assois. En plus, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est intéressant. Bah, c'est le thé, je crois. Oh là là, F. Eh bien, parlons-en. Est-ce que tu veux nous raconter, instant psycho, est-ce que vous voulez nous parler de votre envie d'aller aux toilettes? Bah, en fait, ça m'a pris d'un coup. J'avais bu beaucoup de thé. Bah, j'ai bu beaucoup de thé. En fait, en ce moment, je bois beaucoup de thé. Parce que j'essaie de plus trop boire de coca et tout. Mais hier, je buvais du coca encore. Je me dis aussi. Ah oui. Oui, je balance, moi. Bah, de toute façon, ils l'ont bu. Ouais, en plus, si vous avez fait gaffe. Et donc, bah, j'ai eu comme ça une révélation. Mais parce que j'ai fait un rêve prémonitoire. Tu peux finir mon explication, s'il te plaît? Bah non, parce que je sais pas où tu veux en venir, donc j'aimerais bien. Bah, je pense que les gens aimeraient bien aussi. Non mais, et est-ce qu'on est d'accord que plus vous vieillissez et plus vous aimez des choses que vous aimiez pas avant, quoi? D'ailleurs, point matcha. Ah oui, 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 oui. Alors, après s'être brûlé la gueule. Ah non, parce qu'elle m'a fait goûter le matcha. Parce que elle m'a pas dit que c'était chaud. Monsieur Starbucks, mais non, mais lui, il me l'a pas dit non plus, mais bon, je le sentais à travers la gueule. Elle m'a dit, vas-y, goûte. J'ai pris une paille, j'ai goûté, j'ai. Et on s'est cramé la gueule, en fait. Non, mais j'ai plus d'ADN dans la bouche et. Plus de papilles.
Oui, parce que l'ADN, ça n'a rien à voir. Mais ça, ça va, voilà. Bref, point matcha. Donc, à la première gorgée, pour ceux qui n'ont jamais goûté, t'as l'impression d'avaler de l'épinard liquide. Et ça a la même odeur, tiens, d'ailleurs. Alors, si ça t'aimes... a la même odeur que mon aîné pour mes cheveux. Ça fait 5 fois qu'elle me dit. Donc, ça a le même goût que l'épinard liquide. Moi, j'ai... Alors, faut savoir que j'aime pas les épinards, normalement. Je vais te faire sentir. Mais, eh ben, avec... C'est rien. Il neige du aîné. Oh ouais, merde, ça sent la même chose que le aîné. Ça a une odeur de... Attends, je cherche parce qu'il y a un truc en plat qui me fait penser à ça. Et à chaque fois, quand je l'ai senti, j'ai fait... Oh là 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 là. Bref, ça sent l'herbe. Pas celle qu'on... T'es pas bien, hein, faut pas faire ça. Encore, mais c'est... Les enfants qui nous regardent. Ouais, c'est herbeux, le truc. Hein, c'est végétal. Mais, quand je suis allée chercher du sucre, déjà le monsieur il a eu peur en me disant vous aimez pas votre boisson. Et je lui dis non, mais c'est pas ça, je veux juste du sucre en fait. Vous inquiétez pas, tout va bien. Avec le sucre vanillé là, c'était bon. J'ai fini par trouver ça bon. Donc peut-être que je vais essayer. Pour moi, c'était tellement chaud que j'ai même pas eu le temps de. J'ai reconnu la vanille. S'il y a des endroits où il faut acheter le truc, dites-moi quelle marque en dessous, j'y reviendrai lire ses commentaires. Mais parce que du coup, après, elle a été voir sur Google. Les bienfaits du matcha. Déjà, c'est anti-rides, j'ai envie de te dire, merveilleux. Mais c'est anti plein de trucs. Et la graisse du ventre. Ah ouais, moi j'ai vu ça, j'ai fait d'accord. La graisse du ventre. En fait, ça. Si, ça, c'est ça. Le truc, la limine de la graisse du ventre. Oh non. Si t'as compris, mets le sous-titre. Moi, je peux plus. Hein. Je fais des efforts toute l'année. Genre. Et donc, eh ben, moi j'ai bien aimé. Franchement, ouais. Ouais. Le point matcha. Non, ouais, sérieux. C'est bon. Alors, par contre, faut. Mais à la limite, je te dis, quand tu auras la main, tu me feras goûter. J'en ai même deux. Il y en a une qui tient le truc là. Quand tu auras la main pour savoir comment. Le doser, le mélange, ouais. Quand si toi. Ouais, je vais regarder, je vais tester. Je vais acheter des trucs. Et ben, la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des marques ou des magasins à essayer? Dites-moi en dessous. Pour matchatiser. Ouais, je suis preneuse de petits conseils. Parce que moi, écoute, tout le monde dit que c'est bon et tout, même avec du lait végétal et tout bah, ça. Bah écoute, franchement, c'était pas dégueu. Bah là, avec la mienne, bon, du lait végétal. À part que c'était très chaud. Bah moi, je l'aurais bu avec des glaçons. Même ça, j'arrive pas à le dire. Moi, je l'aurais bu froid avec des glaçons. Parce que soit tu le dégustes avec de l'eau ou avec du lait végétal. Je sais pas si j'aurais aimé, moi, froid. Ou avec des glaçons. Moi, je l'aurais bu froid. Moi, j'aime bien les trucs froids. De toute façon, tant que ça n'a pas le goût de poireau... Moi, ça peut avoir le goût de poireau, ça va. Ah, j'adore la soupe au poireau. Ah, c'est bon. Enfin, voilà quoi. Donc, c'était le point matcha. Parce que c'est important quand même de faire. Oui, ben oui, mais écoute, apparemment, si c'est bon, parce que si ça avait pas été bon, tu aurais pas. Voilà. Ah, je l'ai sifflé le truc. Hein. Ah, puis vite, hein, franchement, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien bu. Hein. Ouais, on la remonterait pas au vélo. Non, bah non. Surtout vu comment c'était pendu. C'est parti vite, hein. Ouais. Oh, plus ça va, plus tu filmes le plafond. Ouais, mais je. Et pourtant, je suis appuyée sur le truc, mais je. Aïe. S'en fout. Voilà. Il faut voyez, je. Il faut voyager. Oh là là. J'envisage plus tard de prendre. Eh, mais attends, je m'emmerde. Oh, pardon, les gens. Je m'emmerde, mais en fait, il suffit qu'on le pose. Ouais, qu'est-ce qu'on est con. Voilà, qu'est-ce qu'on est con. Mais je suis pas con, moi, je le pose à chaque fois. Dis donc. Maman. Elle a dit que j'étais con. Elle a dit qu'est-ce qu'on est con, elle m'a inclus dedans. Mais non, on est un con, on a toujours dit. Ah, oui, non mais moi quand je vous parle comme ça je le pose. Oh la maligne. Mais attends. Ah, t'as vu, on n'a pas l'air comme ça. Oui. Ça se en même temps, quand on voit ses deux mains, on se doute. On suppute bien qu'il y a quelqu'un qui tient à sa place. Grave. Ah, on n'est pas quand même totalement meumeux. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, ça va être la question du jour. Oh, je crois que ça va se finir en pizza parce que. Ah bah oui, après avoir mangé des pâtes ce soir. Des pâtes? Bah ce midi. Ah oui. Oh. Oui, ce soir, non, ce midi. Oh. C'est pour ça que je comprenais pas. Tu sens qu'on est fatigué. Je me souviens plus d'avoir déjà mangé. Regarde, j'ai des marques d'avoir tenu ton truc qui pèse un âne mort. Et tu vois, tu comprends ma vie. Son truc qui pèse un âne mort, je vous jure. Moi, j'ai jamais porté un âne mort. Jamais soulevé un âne mort, mais. Mais heureusement, parce que ça doit être lourd. Comme nous. Qui soulève des ânes morts? À part des. Ah, les écarisseurs. Oui. Oh putain, j'ai réussi à caser le mot écarisseur dans un vlog. 150 points en scrap de. Ah bah oui, j'allais dire, ouais, effectivement. Il y a des mots comme ça. Ça, ce serait un truc à faire. De quoi? De faire. Alors, une liste. J'ai des ça, idées, là, con. Des idées, elles me fatiguent. Comme alors, la première idée étant, vu sa collection de
couche à lèvres. Ah non, 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 t'oublies ça. Mais si. Elle oublie ça. C'est... Non, parce alors... qu'elle réfléchit à ça depuis tout à l'heure. Mais oui, mais oui. Mais attends, mais je suis sûre qu'ils vont me dire, mais elle a carrément raison. Ils peuvent vous... oui. Un râle par jour, sans râler. Bah, moi, je râle du ça coup. Ça, là, était bonne. Avec le droit, entre midi et deux, de changer. Et je suis sûre qu'elle arrivera encore... à tous les utiliser. Non, mais je vous dis, elle me juge. Elle a mais non, je juge pas. En fait, je te lance le défi pour être sûr que tu les utilises. Son petit, mais je les utilise avec son petit air, vous savez, petit peu, petit air malin comme ça. En fait, Marie, mais combien de râles Mac as-tu? Mais non, parce que je voulais savoir si éventuellement tu étais capable de mettre un râle par jour. Vicieux jusqu'à. Penser mais bien sûr, mais oui, je suis une grosse vicieuse. C'est collé. Mais tu peux me faire la même avec les chaussures à la maison. Non. Bah alors, dans ce cas, ah, j'en ai pas mal hein. Ouais, t'as vu, sur un mois, c'est sûr, je peux changer de chaussure tous les jours. Ah bah oui, moi je passe jamais la même paire. Ah bah si, des fois oui. Facile. Mais ouais. Donc oui, tu vois, je comprends le truc. Ouais. Mais ouais, après ouais, donc il y a ça, après là du coup, donc, l'autre elle débile. A pensé à ça. L'autre idée débile qui vient jour, de ouais. de me traverser l'esprit, c'est te donner un petit défi à la semaine, non, avec une liste de mots improbables à casser. Mais t'as pas fini les râles, parce que du coup tu m'as dit que je pouvais aussi faire. Ah, j'ai fait qu'avec les Mac, j'ai pas fait avec les autres marques. Non, tu m'as dit que je pouvais aussi faire le mur de Mac. Ouais, comme un mur de basket, mais avec des rouges à lèvres. Je pourrais faire dans un cadre, je suis sûre que ça marche. Faire une belle présentation. Avec les étiquettes qui feraient un dessin. Et tous les deux jours, tu viens passer la poussière dessus. Bah, tu m'en as Jacqueline. Oh, je veux une Jacqueline, moi. Jacqueline ne fait pas la poussière. Moi, je veux une Jacqueline. Jacqueline, centre commercial, s'il te plaît. Ah ouais. Non. Ouais, mais celle-là, dans mon salon, elle passe pas. Moi non plus. T'imagines, elle serait là, elle serait coincée à la porte. Et ben, celle-là, elle avale le chat. Ah, au moins. Ah, c'est mort. Ah, oui, puis elle te la recrache version confetti aussi. Ah, purée, on peut. Elle est où? Mina. Elle est passée là, je l'ai vue. Ça se trouve, elle va dormir avec moi cette nuit. Ça m'étonnerait fortement. Attends, j'ai réussi à lui faire une caresse sur la tête. Et donc, ça, c'est un petit message pour Chocotte. Chocotte. Il n'y a plus de batterie, ça clignote. Merde. Pardon. Donc, ça tourne. Non, ça tourne encore, t'inquiète. Chocotte, tu m'entends? Chocotte. Mina, je la connais pas. Elle a accepté que je la caresse. Je dis ça, t'en fais ce que tu veux. Ça, c'était pour Chocotte. Chocotte, c'est... C'était un mâle. Oh. Ben oui. Eh ben ouais. Ben ouais. Bon, comme ça va le calmer un peu, là. On mange quoi, ça, à part tes gâteaux aux amandes, là? C'est à l'amande, ça? Non. Pas du tout. Non. Non, à l'avoine. À l'avoine, oui, ça va. Ben, tu vois, on parlait d'âne. Mais c'est ça. T'as été inspirée jusque-là. Et oui, qu'est-ce qu'on voulait dire? Et oui, t'avais dit deuxième idée? T'allais sortir encore une bêtise? Une liste de mots improbables à caser pendant la semaine du vlog. Genre écarisseur, comme tout à l'heure. Oui, mais moi, je mais connais tu vois, pas ce mot. Oui, non, mais on peut t'en trouver d'autres. Genre hippopotame. Toutes les semaines, vous mettez en commentaire des mots à placer dans le vlog d'après. Ouais. Oh là là. Tu sais, comme quand t'es en réunion, les gens... Oui, bah oui, c'est des gens qui regardent. Mais non, mais comme ça m'évite de dire les filles ou les garçons. Ouais, les vrai. Gens. Moi, je dis les gars, moi. Moi, je dis les gens. C'est universel. Parce que, bah, les gens ou les filles. Ouais. Alors, people. Et non pas popole. C'est moins bien. Donc, les gens. Mais peut-être un mec, son pseudo, et il me regarde, son pseudo, c'est popole. Hein. Ah bah, oh merde. Tu sais pas. Bref. Il en faut pour vous. Quand on se fait suer en réunion. Tu claques ça à celui qui doit parler en lui disant ah tiens, chiche, t'arrives à dire ça en réunion. Voilà, je te jure, ça égaye la réunion. Hein. Non, mais pas que. Mais ça égaye la réunion, l'air de rien. Pendant que les profs de vos enfants font des réunions, voilà ce qu'ils font. Non, tu sais quand est-ce qu'on le fait ça? Parce que ça nous est arrivé. Tu sais quand on le fait ça? Au conseil d'élèves, au conseil d'école. Donc si vous êtes parent d'élèves et que vous avez entendu le directeur ou la directrice claquer un mot du genre hippopotame ou coccinelle en plein milieu du champ. Il y a des chances qu'ils aient joui. Moi, me donnez pas de mots. Dites-moi juste bonjour. Je suis fatiguée. Eh ben, votez. Oh, non. Un râle par jour, les mots à la con. tu seras référencé. C'est bon pour la référence. Le pouce, les gens. Vous avez pas mis le pouce. En l'air, le pouce, tant qu'à faire. Non. Moi, j'ai plus de pêche. Regardez, même mes muscles, ils sont mous. Moi, quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi.
Ouais, on peut arrêter parce que ça va être très long le montage. Vas-y. Comment on fait? Comment on fait? Vas-y. Attendez. Au revoir les gens. À plus dans le bus. Nouvelle journée. Et la majorette n'est pas là pour le placer, ce nouvelle journée, comme elle voulait tant le faire. On est mercredi, je vous ai pas pris hier. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule. Bah oui, je suis toute seule. Enfin, il est 10h31. Marjo est partie hier vers 9h. Voilà. Tranquillou. Du coup, hier, je vous ai pas repris parce que j'ai fait 1 500 000 trucs. Filmer c'était pas possible, genre j'ai fait épilation de mon corps en entier, petits soins, montage de vidéos, montage de vlogs, miniatures, mail, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai regardé un film, je sais plus comment ça s'appelait, de l'autre côté de la fenêtre, bon, je vous remettrai ça par là de toute façon, qui est un film espagnol. C'est un film un peu, bah c'est que du moins de 18 quoi. Je m'attendais pas à vraiment à ça, je m'attendais à une histoire d'amour. Bref, je vous montre vite fait ma tenue du jour. Aujourd'hui, comme d'hab, hein, je suis habillée tout en Shein. J'ai mis mon nouveau pantalon comme ça, bah, de chez Shein, avec ce petit top aussi. Ils sont trop bien ces tops-là, je vous remettrai les liens en barre d'infos du pantalon et du top. Ça se vend par lot de 4, vous avez 4 couleurs, ils sont trop trop bien. Et puis j'ai mis mes dunks blanches comme ça. Et ah oui, attendez, on est là, je vais vous montrer la parure de la semaine. Voilà, qui a déjà un an je pense, qui vient de chez Leclerc, donc elle est réversible, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Et oui, pour les lèvres, ce que vous allez me le demander, c'est un que j'avais pas mis depuis hyper longtemps, c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Black Up. Mais ce sont les Magic, c'est-à-dire que, est-ce que ça va le faire? Voilà, ça fait des paillettes quand vous faites ça. J'avais pas mis des paillettes encore. Et c'est la teinte LMS02. Voilà, je suis pas sûre qu'ils existent encore, ces rouges à lèvres-là. Bref, programme de la journée, j'ai mes affaires qui sont prêtes. Mon sac à main et mon truc. Et ça, je vais vous dire après. Je vais chez ma mère, il y a mon frère qui vient, il est en vacances. Vu que mes nièces sont en vacances aussi. Je ne les ai pas vues depuis début janvier. Donc on va manger tout chez ma mère là. Donc je vais aussi chercher ma patate. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, ouais, j'y vais. Donc là, ils m'attendent. Et j'ai un sac blindé de fringues. Ça, c'est pour ma belle-sœur. Et parce que je ne vous ai pas raconté, mais oui, effectivement, il y a ce week-end, samedi. Attendez, je vais vous poser. Ah. Samedi, il y a ma sœur, ma mère et mon neveu qui sont venus manger à la maison. Et on en a profité avec ma sœur pour vider toutes mes fringues et faire le tri ensemble. Voilà, comme ça, elle a récupéré ce qui pouvait lui convenir. Vu que là, j'ai pas le temps, je vous montre pas. Mais quand je rentrerai, je vous montrerai les tiroirs, comment ils sont bien rangés et tout. Enfin, c'est comme d'habitude, mais si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, peut-être que ça peut vous donner des idées pour le rangement. Je vais vous montrer ça. Pourquoi il y a du blanc sur mon... Je sais pas ce que c'est. Bref. Donc, let's go. Bien sûr, je vais pas vous prendre chez ma mère parce qu'il y a toute ma famille. Donc voilà, je remets mon téléphone en sonnerie. Et voilà, ah oui, et hier j'ai aussi refait mes ongles. Bah, j'ai fait tout simple. J'ai un peu changé de forme, enfin un petit peu beaucoup. Et j'ai fait tout noir. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, go, j'y vais. Et quand je reviendrai, je vous montrerai les fringues, comment c'est rangé et tout. Mais je vous jure, on a viré des trucs. Vous savez que je fais énormément de tri, je reçois beaucoup de fringues. Et d'ailleurs, vous me demandez à chaque fois, mais où tu ranges tout ça, où tu ranges tout ça? Mais je fais du tri tous les mois, mais vraiment du gros tri, genre, bon, y a des trucs, c'est clair que j'ai pas le temps de les mettre 30 fois, mais je fais énormément de turnover dans mon truc, et je suis pas quelqu'un qui s'attache beaucoup au matériel, vous voyez, il y a des trucs, des pièces que j'aime énormément, du style ce pantalon, je l'aime beaucoup, ces petits tops là et tout, je sais que je vais les garder. Mais il y a des trucs, voilà quoi. Puis j'ai dit à ma soeur, bah, si tu veux, prends. Donc j'ai énormément donné à ma soeur.
Voilà. Bref, faut que j'amène ça aussi à ma belle-sœur. Et voilà, c'est parti. Nouvelle journée. Je vous reprends de la voiture. On est jeudi. Il est quelle heure? 10h35. Je vous reprends de la voiture. Je vais aller faire 2-3 courses vite fait chez Leclerc. Et je dois aussi passer à la pharmacie. Donc j'étais là en train d'allumer ma voiture. Je dis tiens, je vais reprendre le vlog parce qu'hier je vous ai pas repris. Je voulais vous reprendre hier soir en rentrant de chez ma mère. Je suis rentrée, il était 20h. Donc du coup, effectivement, je ne vous ai pas repris parce que j'avais dit que je vous montrerais les tiroirs et tout ça bien rangé, tout ça, même si vous avez déjà vu, mais bon, ça peut peut-être vous donner des idées. Donc bah, on fera ça tout à l'heure en rentrant. Donc là, je vais vite fait faire 2-3 courses et on se retrouve bah, à la maison. Oui, parce que je vous emmène pas avec moi faire les courses et je vous montre pas les courses. Bref, on se retrouve à la maison. Re toujours cette tête. Aujourd'hui, je me maquillerai pas. Ouais, bah là, il est 11h et quelques. Presque midi, je crois. Je viens de rentrer. Je viens de m'arracher l'ongle, le pouce, là, donc il faut que je le refasse. Je voulais vous dire... Ah oui, j'avais laissé sortir exprès. Je voulais vous dire le fameux gel à l'aloe vera qu'on trouve chez Action. Du coup, Adoration m'avait dit que c'était bien pour faire les faits sub-brown. Bah non, en fait, c'est que de l'eau. ça tient pas au niveau des sourcils. Ça tient pas. J'ai essayé maquiller ou pas maquiller, juste comme ça. Ça tient pas. Mais par contre, c'est bien pour les baby hair, effectivement, si vous avez des problèmes de baby hair. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis, ça hydrate bien l'aloe vera. Mais si vous voulez vraiment l'acheter pour les sourcils, non, bah, malheureusement, ça tient pas. C'est vraiment pas comme de la colle, comme mon savon Pierce ou la petite glue comme ça de chez... Qu'est-ce que tu fais, toi? De chez NYX. Voilà, voilà. Oui, on avait dit qu'on regarderait, du coup, les placards. Mais je voudrais vous montrer vite fait ma tenue. Alors... Ma majorette, quand elle est venue, je sais pas si vous avez vu, elle avait ce sweat sur elle. Et du coup, quand elle est venue, elle m'a tendu un paquet et elle avait acheté le même pour moi. Donc c'est un sweat Girl Power. Je ne sais point où elle l'a trouvé. Et avec, j'ai un petit jean comme ça de chez Shein. Il est trop bien ce jean, j'adore, avec des petites poches comme ça sur le côté. Et j'ai quand même si j'avais pas envie de me maquiller, de me coiffer, parce qu'en plus, il faut que je fasse mon shampoing ce soir. J'avais bien envie quand même de mettre des bijoux, de faire la meuf. Même si on sort pas. Hein, c'est vrai. Ouais, j'avais envie. J'ai aussi mis du parfum et tout. Hein. Bref, voilà. C'est comme quand vous avez tous les trucs comme ça de parfum, c'est relou. Parce qu'il faut toujours tout dépoussiérer. Bref, je vous montre le tour des placards vite fait. Alors déjà, j'ai fait un énorme tri dans la penderie. Ça a pas l'air comme ça, ça a l'air hyper chargé, mais croyez-moi, j'ai retiré peut-être une bonne vingtaine de cintres, donc une bonne vingtaine d'articles, j'ai envie de dire. Ouais. Au-dessus, bah, c'est les pulls hein, qui sont pliés comme ça dans les bacs, et voilà. Du coup, on a ce chat qui vient voir, et ouais, maintenant ça respire, enfin, vous pouvez bouger les trucs alors qu'avant vous pouviez pas du tout bouger les trucs. Donc là, comme je disais, parce que Marjo me disait, mais t'as pas un problème de couleur, toi? Donc là, oui, je disais, c'est les chemises et les petits pulls, genre les chemises, les chemisiers. C'est rangé effectivement par couleur. Là, on a les robes qui sont courtes ou jusqu'aux genoux. C'est aussi rangé par couleur. Et là, c'est les robes très longues et les combis qui sont aussi rangé par couleur, quoique non. Je vois celle-ci, j'aurais plus dû la mettre là-bas. Enfin bref, on a un chat qui s'intéresse. Hein. Tu veux faire quoi, bébé? Donc voilà, j'ai rangé ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis les articles sur Vinted. Il y en a énormément que j'ai donné à ma soeur et à ma belle-sœur, mais il y a plein de trucs qui sont restés... qui sont à mettre sur Vinted. Il faut que je le fasse, je le ferai ce week-end, je pense. Là, ça n'a pas changé. J'avais déjà fait un gros tri dans tout ce qui est t-shirt. Voilà, au milieu, c'est mon truc avec mes bagues. Et quelques ceintures. Là, pareil, ça n'a pas changé. C'est tout ce qui est body. C'est un peu beaucoup, d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Hop, et là, ah oui, du coup, lui, je l'ai mis tout à l'heure. Et je l'ai mal mis. Bref,
La partie des pantalons, là, c'est pantalon jupe, ce côté-là, pantalon un peu, vous voyez, jogging, jupe et tout ça. Et là, c'est tous les pantalons fins, les pantalons de l'été, on va dire ça comme ça. Faut que je remette bien, mais là, avec un doigt et un ongle qui se barre, là, c'est chiant. Ah ouais, du coup, ça fait moche comme ça, bref. Et là, on a les pantalons en cuir et les trucs qui sont un peu plus molletonnés et tout ça. Bref, voilà. Ensuite, alors oui. Je vous montre pas histoire de vous montrer parce que vous me posez tout le temps la question de savoir comment je range, où est-ce que je mets tout ça. Je pense que c'est des questions qui sont un peu pas mal placées mais intéressées, on va dire ça comme ça. Mais sachez que je suis quelqu'un de très très organisé qui je garde pas pour garder. Je suis pas quelqu'un qui est surconsommatrice de ouf en vrai. Mais je travaille avec Shein et j'ai beaucoup de fringues de chez Shein. Je reçois beaucoup de colis chez Shein, donc faut que ça tourne. Mais c'est pour vous dire que ça tourne, voilà. Et donc là j'ai les jeans, vu que j'en ai pris un, j'ai une place ici. Bref, les jeans noirs, les jeans bleus. Là on a les jeans colorés, tout ça, puis d'autres petits pantalons qui sont plus épais, ceux-là. Là j'ai libéré un tiroir. Et ensuite ici on a les sweats et les crops. Voilà, les sweats crop. Là pareil, on a les sweats, les petits tops. Et là, des petits tops aussi. J'ai fait du contorsionnisme. C'est chiant, vous voyez la place que j'ai pour ouvrir mes tiroirs. Enfin voilà, pour ça. Programme de la journée, parce que je vous l'ai pas encore dit, vu que mardi j'ai pas fait, enfin si, j'ai fait du montage et tout mardi, mais j'ai vraiment pas fait mes mails. Et hier j'étais chez ma mère, j'ai pas fait les mails non plus, donc là je vais faire les mails, je vais monter le vlog. Et bah il est déjà midi, donc non, il est 11h23, et puis après tranquillou quoi, voilà, ça va être le programme de la journée. Tranquillou. Nouvelle journée et dernière, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, et le vendredi vous savez que c'est le jour où je clôture, où je fais le montage, et voilà. Généralement le vendredi je passe ma journée derrière mon écran d'ordinateur, voilà. D'ailleurs là j'ai ma deuxième machine qui est en train de tourner, parce que ça fait déjà deux machines. D'ailleurs j'ai déjà installer mon poste de travail avec l'infusion que m'avait envoyé mon petit Nico, les addictions by N. Je vous remontre, c'est une tuerie. La dernière fois quand Marjo est venue, je lui en ai fait, il n'en reste plus beaucoup. C'est l'infusion de la famille Bourgeon, et c'est les petits pirates. Infusion gourmande, amandes grillées, noix de coco, ananas, papaye, pommes, raisins, amandes, bâton de cannelle et popcorn. Et dedans, il y a vraiment des morceaux de popcorn. Et elle a vu une mouche. Ben oui, la mouche était en bête. Hein. Elle est pas jolie. C'est pas ta copine. Oui, le linge est en train de sécher dans la cuisine comme d'hab. Mais en fait, il y a un soleil qui tape dessus ici. Et j'ai pas envie de mettre le linge dans ma salle. Ou dans mes chambres. Ou dans la salle de bain. De toute façon, dans la salle de bain, il n'y a pas de fenêtre. Donc voilà, ça va être programme. Oh, il y a un beau soleil aujourd'hui. Ça va être programme faire le montage et tout. Donc, bah, je vais pas. Au début je voulais tourner une vidéo, mais comme j'ai le montage du vlog à faire, je pense que je vais pas me mettre une autre charge. Du coup je tournerai l'autre vidéo ce week-end je pense, ou la semaine prochaine, j'ai le temps. J'ai encore un peu d'avance au niveau des vidéos. Et voilà, mais je me suis quand même maquillée, j'ai quand même fait mon brushing. Voilà voilà, parce que j'en avais envie. Et regardez-moi ce bel orchidée qui est tout fleuri. Ça fait plaisir. Donc bah écoutez, je vais pas, j'ai rien de spectaculaire à vous dire là ce matin. Hier je suis pas sortie, j'ai fait encore une fois ordinateur, j'ai fini de répondre à mes mails et tout ça. Donc semaine banale, même si au début de la semaine il y avait la majorette, voilà. Donc bah je vais vous laisser ici, j'espère que cette petite semaine avec moi tranquillou vous aura plu, enfin c'est quelques jours. Et on se retrouve de toute façon dès lundi pour un nouveau vlog. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.